bien, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la suite de notre incroyable aventure sur Until Dawn. Et regardez, nous sommes dimanche et il y a du monde, ça fait plaisir. On aime quand il y a du monde, voilà, ça vous dit des coucous, n'hésitez pas à venir. Nous sommes en live du dimanche compris au jeudi compris à partir de 19h et un vendredi sur deux. C'est incroyable, twitch.tv/mrbboy45. Ne venez pas maintenant parce que je suis en vacances à l'autre bout du monde, mais bref. Venez quand même, ça fait toujours plaisir. Let's go pour la suite. Il est temps de reprendre où nous en étions et nous avions trouvé précédemment dans Until Dawn l'hôpital psychiatrique. Faites pas ça, Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Eh oh. Les mecs? Salut, Samantha. Tu me cherchais? On devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va! Et regarde! Une tour de guet. Matt, c'est quoi ça? J'en sais rien. Psychose! Bon! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On va se calmer. Reste calme. Bouge pas. C'est nécessaire. On veut juste nous sentir. Non, 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 Matt. Comment on va faire du mal? Les gars, je m'approche un petit peu, c'est ça? Les gars, on s'approche, hein. Wesh, c'est un gang, frère. Il se passe quoi, là? On dirait des... Une descente du GIGN à 2h. Merci, mon Kiazi. Merci pour le 28e. Jamais de la vie. J'ai envie de les caresser. Merci mon Sadik pour le 13e amoureux. Et sinon vous savez que le prochain jeu on peut faire Detroit Become Human avec vos choix. Ah ah. Ah ah. Ok. Attendez. Il n'y a pas de totem, hein. Il n'y a pas de totem? Michael's totem? Ouais, si on arrive à avoir quelqu'un à la radio... On y arrivera. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Oh, 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 bah non, on a spoilé la prochaine aventure! Oh, mais il va y avoir trop d'aventures, là, c'est terrible! De prévu avec vous! Ah, alors attendez, je crois que c'est la première fois qu'on vient par ici. Il y a peut-être moyen de... De choper un totem. Wouah, frère, j'ai sursauté. Je vois plus rien! Non, sans deck. Je vois pas, c'est quoi? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Bah, vous l'auriez pas repris dans Zipwari, ça, par hasard. Oh, Michael Stotem. Incroyable. Incroyable. Merci, Sophie. Oh, elle est adorable. Adorable. Ok, on va checker. Ok. On va les revoir. Vous savez qu'on va à chaque fois revoir... On va à chaque fois revoir les totems. Ah. Ok. Oh putain, oui, il y avait cette histoire de pistolèche. Il y avait cette histoire de pistolèche. Et je me souviens plus du tout comment je l'avais joué. Ok. Merci les gars.
mais je vais manger juste après. On fera une petite pause. Au pire, pendant une cinématique, un petit croc. De temps en temps, mon ref, on est hal. Genre maintenant, j'ai saisi l'occasion. Ouais, mais si je sursaute et que j'en ai dans la bouche, je suis mort. Ok. Et je me souviens pas du tout de ça. Mais en fait, je me rends compte que dans Ziquari, ils ont repris les mêmes délires, hein, vraiment. Hein. Ok. Ok, let's go. Hein? Wow! Me fait balise! Mais attends, mais les gars, c'était. Ouais, c'est Mike. Mais c'est un baiser, pourquoi il laisse la hache en bas? Mike? Un peu teubé là! N'oubliez pas que le but c'est d'avoir le film bonus qu'on n'a pas eu sur YouTube. Hein. Si c'était une bonne idée, ça en vrai. Ouais. Ok. Vous me faites peur, le chat. Il y en a qui disent oh là, je me souviens de ce passage. Bonsoir. Personne t'a retrouvé. Vu ce qui se passe ce soir, leur disparition me paraît moins étrange. Ouais, mais c'est pas tous les jours que des gens viennent ici, tu vois, c'est bizarre. Allez, quoi. Super, pas dû. Il doit bien y avoir un bouton dans les parages. Porte. Bon, pas dû. Dehors, évidemment, un classique. On va faire le tour. Ça sent pas bon là ce qui va se passer là. Ça fallait. Alors attendez. Attendez. Non, c'est pas cette touche. On avait un totem. C'était un conseil, non? Ok, donc faut le donner. Faut le donner. Très bien. Ok, ok. Tu
attirer l'attention, en espérant que ce soit pas celle du psychopathe. Ouais. Bon, y a pas de statue ici, on est d'accord? Ouais, je pensais pas qu'il allait tirer direct aussi, mais bon. Ok, un point pour Matt et Emily. Moi, je pensais qu'il allait la garder, la tirer à un moment opportun. Il l'a tiré direct, bah les couilles. Alors. Ça marche. Ah, on n'avait pas trouvé le lance-fusée sur YouTube. Désolé que tu manques toujours à l'appel, Bess. Ah. Et je l'avais bien donné à Matt. Est-ce que j'étais déjà intelligent à l'époque? En vrai. Ok. Très bien alors, ça me rassure. Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Dites quelque chose s'il y a quelqu'un. On a besoin d'aide. Terminé, terminé. Merde. Merci, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Bonjour, vous essayez de nous contacter? Ici les gardes forestiers de la région de Blackwood. Nous ne captons pas bien votre signal. Parlez lentement et clairement. Terminé. S'il vous plaît, par pitié, aidez-nous, on est bloqué à Blackwood Mountain. Et je me souviens même pas de ça. Vous entendez, répétez votre message, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Au secours, aidez-nous. Allô? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Terminé. Ok. On coopère, hein. Oh putain, ok, je suis... Je m'appelle Emily. Allô? On ne vous entend pas. Veuillez répéter, terminé. Nous sommes à Blackwood Mountain, près du chalet. Et il y a un tueur qui nous pourchasse et il a déjà tué un de nos amis. C'est pas vraiment pitié de nous aider. S'il vous plaît. Ok. Le détecteur s'est déclenché. Sur moi un écureuil. Je dois étonner ces putains de cerfs. Oui, madame. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous enverrons des hélicoptères vous chercher dès que la tempête se sera calmée. Quoi? Quand? Bientôt? À l'aube, ou plutôt. Pas avant l'aube. Oh, merde, il est là! Il est pour moi! Non. Peut-être un chat américain. Attends, ça escalade et tout? Comment ça une tour peut tomber avec deux câbles? Sûrement un rongeur. Merde! Non, pas ça! Non! Oh merde!
secours, wesh. Ah, les rongeurs, c'est des pestes, hein. Putain! Ta gueule, tu te tais, toi! Crétin! Et elle me dit crétin, putain de merde, hein. Attends. Non. Non. Ok, la roue. Le piège, on l'a malheureusement pas fait. L'oiseau. Un feu. Tomber de haut. Une tête. Éclatage de gueule. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a pas fait. Ça, on l'a pas fait, mais on l'a fait. Enfin, le moment est passé, je crois. Et ça, ça s'est fait. Ok. C'est pas ce moment-là? Ah, je crois, hein. Là, Emily, t'es sous choc et tu dois te calmer. Hein? Ça va aller. Ah, mais arrête de parler, j'en peux plus. Arrête de me crier dessus et laisse-moi gérer. Ok? Non, toi, arrête. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu remettes tout ce que je dis en question? J'en ai marre. Essaye de la sauver et ensuite saute lors de la deuxième tentative. Je vais essayer de t'atteindre et de te remonter. Maintenant, est-ce que tu pourrais me sortir de ce merdier? Pitié, 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 Matt, fais quelque chose! Attends. Non, elle est morte? Attends, Amul, tu me l'as fait tuer? Non, 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 elle est morte là? Ah. Faites-moi pas peur, hein. Elle était pas là? J'en sais rien, je l'ai pas vue. Elle a dû venir par ici. Je l'ai pas vue non plus. Alors! Ah wow! C'était quoi ça? Oui, oui. Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Mais on est d'accord qu'il y a vraiment des esprits, hein. Eux, ils ont invoqué la bibiche. Hein. Ils ont invoqué une des sœurs. Hein. Ok. Cette photo, on était peut-être censé la voir maintenant. En vrai, il n'y a plus rien à fouiller, là. Hein. Chris. Quoi? Chris, je voulais te dire ce qui s'est passé dans l'abri. Je sais à quel point c'était dur. George était ton ami. Ashley, stop. Non, je veux dire, enfin... Merci. Avoir sauvé la vie. Ok. Et je pouvais faire quoi? Laisser quelque chose t'arriver? Je pouvais pas. Attends, on va peut-être aller checker là. Là, il n'y a plus de totem, hein. Michael's totem. On va checker quand même à gauche, à droite. Tu sais, avec les angles de caméra qui changent à chaque fois. Sur un malentendu. J'ai l'impression d'avoir fouillé 20 milliards de fois ce même chalet, c'est terrible. Ah, je te vas bien. Ah, sauf ici. Ouais. Ah oui, c'est vrai.
Elle était emprisonnée la bichette, ici, et on a Caval. On retrouve Sam, ok? Là, c'est tout ce qui compte. Mais c'était si atroce. Ashley, arrête. S'il te plaît, je veux pas repenser à ce qui s'est passé. Non, je vais aller à droite. Chris. On doit trouver Sam. Belle salle de ciné, sa mère. Hein. Ça serait mon rêve. 8 places, une petite salle de ciné bien faite dans un sous-sol. Oh là là, ça serait incroyable. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Sacrée porte. Hein. Alors. C'est juste pas possible. Oh là, wesh. Ça, c'est l'esprit qui veut pas qu'on passe la porte. Hein. Ok. C'est vraiment flippant. Ok. Je suis guidé, les gars. Hein. Je suis guidé, hein. Alors. Wouah! Attends deux secondes. Est-ce je me souviens pas de ça. Est-ce que j'ai vu quoi? Ça, Chris, ça! Ça veut dire quoi, ça? C'était comme une forme transparente, comme un fantôme. Mais non. Je suis sérieuse. Pourquoi tu me crois pas? J'ai dit que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi. On a vécu un enfer ce soir, d'accord? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Non, tu te trompes. Je l'ai vu et j'en suis sûre. Merde! D'accord. Peut-être que t'as vu quelque chose. On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et... Et si Sam a besoin de nous? Si elle a des problèmes? Oh non! On bouge. Ok. Attends. Déjà là, on peut pas ouvrir. Mais si on fait demi-tour? J'ai peut-être trouvé un tips. Ah. Attends. Non, on vient de là. Ok. On vient de là. Et là, il n'y a rien. Bon, dommage. J'étais persuadé d'avoir trouvé un tips. Et là, à droite, toujours rien. Bon, là, par contre, c'est nouveau. Je me souviens d'un screamer ici, effectivement. Je me souviens d'un screamer. Ok. Voilà. Mais c'était pas lui. Je crois que c'était le pire. Je crois que c'était une apparition derrière ou un truc comme ça. Ah oh, c'est quoi encore ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Oh wesh, y en a partout les gars! Tu t'es cogné dessus, hein? Tu l'as touché, c'est ça? Je crois pas, je veux dire, je sais pas. Comment ça a pu... Regarde, Chris. Là, dans les fenêtres. Voir quoi? Les meubles miniatures? Non, toute la scène, avec les poupées et tout. Ouais. Ah. Je crois qu'il te faut une clé si tu veux t'amuser là-dedans. Sonne les matines, sonne les matines, ding dong dong la. Ding dong, blablabla. Bon, on va pas passer cette porte. Ah. Ah. Ok, ça a été remis au calme. Non mais il met deux heures à se retourner, ce fils de pute! Non! Tu regardais ton portable, abruti! Qu'est-ce que tu fais? Eh oui, t'es con! Hashtag, y a un putain
Ash, calme-toi, ok? Il n'y a aucun fantôme ici. Fantôme de quoi? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh? Mais t'écoutes pas ce que je te dis, je l'ai vu! J'ai vu un fantôme et il ressemblait à Anna, il ressemblait à Anna! Attends, quoi? Ou alors un peste! Sérieux, Ash? Tu crois vraiment qu'elle nous suive depuis la séance? Je sais pas, peut-être! Eh ben non, parce que les fantômes n'existent pas, ok? Ok, alors qui nous parlait à la séance, hein? Je te le demande! J'en sais rien. Wow! C'était quoi? Je veux pas. Comment une photo peut sauter du mur comme ça? Un vrai abruti, lui. Je me casse. Que des abrutis ici, frère. On se tire. Ok. Putain, je veux la clé pour ouvrir cette fucking maison. On peut vraiment pas l'ouvrir, là? Fuck. Allez, on y va, viens, bonhomme. On peut pas l'ouvrir, là, la maison? Dans l'immédiat, tout de suite? Il y a la clé dans le portrait. Ah oui, non, mais elle est là-bas, ok. Ah, oh. Et bah voilà. Ah, une clé. Oh, allez, Chris, ta mère! Là, regarde là-bas, voilà. Tu le vois là, oh, maintenant? C'est... Alors? C'est... Voilà! Tu vois, non? Je sais pas, c'est juste... c'est juste dingue. Chris, il nous montre la voie. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille à droite avant ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille à droite avant? Je veux pas louper de totem. C'est tout. Je veux qu'on ait le film bonus. Ok. Oh, c'est pas croyable. Il laisse la meuf faire. Hein. C'est comme si le fantôme voulait que je vois ça. Quoi? Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, on dirait... Non, pas on dirait, c'est vous. Quand vous attendiez Anna, l'an dernier. Mais c'est trop précis, c'est exactement où j'étais, et pareil pour Matt. Quelqu'un a dû faire ça, il était là. Quelqu'un, ou quelque chose qui nous observait. C'est peut-être un avertissement, quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur. Non, c'est forcément le fantôme, il veut nous dire que le taré a tué Anna et Bess. Je crois que c'est cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs. Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout. Wesh. Ok. C'est le journal d'Anna. Maman a fini par dire oui, les invitations sont parties, la fête va avoir lieu. Je déteste devoir attendre. Jusque-là, Ash, Matt et Sam ont dit oui, pas de réponse de Mike. Elle est amoureuse de Mike. Oh mon Dieu, Mike a confirmé. Il a appelé Josh cet après-midi. Miskine, elle était toute contente. Ouh, demain c'est la fête. On va tous se retrouver à la montagne. Ce sera de pures vacances. Coin du feu et jacuzzi. Et il y aura Mike. Je suis tellement pressée de le retrouver. Je peux pas lire ça. C'est trop triste, Chris. Aïe. C'était quoi? Ça venait de là-bas. Ok. Alors... C'est là. Bonne chance! Je m'en souviens! Merde. Mais arrête, tu l'as bien vu, il existe! J'ai vu quelque chose, mais c'est parti où? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Regarde par là. Ça semble moins vieux que le reste, non?
C'est un catalogue d'ampoules industrielles. C'est tellement absurde. Ok. Regarde. Il y a une ampoule qui est entourée. Puissante pour une ampoule. Ah. C'était pourquoi ça, les... J'ai pas saisi l'ampoule. Ok. C'était déjà bien glauque, mais alors là... Ah oh ouais. Putain. C'était quoi? Là, y a pas de porte. Y a carrément une autre salle ici. Elle est immense. Chris, je sais pas si je veux continuer. Oh, Chris, il a lâché une caisse ou quoi là? Ok. Alors, on avait couru, hein. Mais où? Où est-ce qu'on est, bordel? Non mais ils ont pas vu hein. Ça, on dirait un autre hôtel. Je savais pas que c'était là. Genre, personne ne voit un bâtiment à côté du chalet. Comment ça a pu rester secret, frère? Là, il y avait Sam, la bichette. C'est une blague, un immeuble sur 98 étages. On ne l'avait pas vu arriver. Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'atteins mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière. Elle est mignonne, et... la petite Ashley. Pas sûr qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais. Enfin, tu sais ce que c'est quand on est à fond sur quelqu'un. Génial. Donc, en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce, et à cause de ça, elle s'est enfuie, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. À sa place, tu crois pas que tu te serais enfui? Enfin, t'aimerais pas qu'on se moque de toi? Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein? Chris, on l'a fait passer pour une conne. Devant tous ses amis et le gars qu'elle aimait. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. Ok. C'est hard ici, wesh. Comment tu peux laisser un si grand et bel espace Hey. Ça. Ok. C'est des faux. Pourquoi quelqu'un imprimerait de faux journaux? C'est une très bonne question. J'ai pas la ref encore. Non, j'en ai assez. Il est hors de question que j'aille plus loin dans ce putain de cauchemar. Ashley, je te comprends, tu sais. Moi aussi, j'ai les jetons. Mais si Sam est là, toute seule, avec un taré, et si on se tire, eh ben, c'est comme si on l'a tué nous-mêmes. Raison. J'ai pas toujours raison. Ouais, quand t'as raison, t'as raison. J'aimerais me tromper et partir moi aussi. Non, il faut qu'on retrouve Sam. En route. Ok. Oh, 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 derrière toi, bibiche. Chris, je commence à avoir un mauvais pressentiment. C'est-à-dire? C'est juste que je peux pas m'empêcher de penser que ces faux journaux sont liés au type qui a tué Josh. Attends, comme quoi alors? Une sorte de mise en scène? Ouais, mais comment en fait?
C'est presque logique, mais j'ai juste l'impression qu'on rate quelque chose. Attendez, parce que de mémoire... Ça, on sait toujours pas qui c'est. De mémoire, il y a un bail avec elle. Ça, on l'a fait. Attends. Là, c'est donner le flingue. Cassage de tête. Putain, mais c'était quoi? Ça, on l'avait vu. Ah, c'était ça? Mais non, non, ça, on l'a fait aussi. Je me souviens plus trop, là, je vous avoue. J'ai dû confondre avec un totem sur Jess. Il y a un totem là, non? Où ça? On a loupé un tot? Ah, batterie TV et tout, ok. Attends. Là, y a rien là à droite, jure. Attends, pousse-toi. Là, y a rien du tout, ok. Ils auraient pu mettre un totem là, au moins on l'aurait trouvé facilement, tu vois. Ok. Là, il y a un corps. On commence à comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est gigantesque ici, wesh. Même pas, je m'y balade tout seul, frère. Respire, respire, Mich. Ok, c'est super sexy. Je vois qu'il est dans Dead by Daylight aussi, ce tueur-là. Hé hey oh, en vrai, ils peuvent le mettre dans Dead by Daylight. Je crois que tout ça est... à lui. À moins que les Washington aient fait de drôles de merde dans leur temps libre, eh bah ouais, sans doute. En vrai, ça peut être un tueur de Dead by Daylight, hein. Ça serait pas... tu vois? Oh non, nage en plein délire, c'est immonde. Personne ne pourrait manger de ça. Alors qu'est-ce que ça fout là? On dirait un putain de film d'horreur. Ah mais il a été vidé, bah oui. Pour servir les tripes. Servir de faux intestins. Pour faire par exemple un... un canular. Ou simuler quelque chose. Ok. Et là, qu'avons-nous? C'est nous. Indice trouvé, photo d'amis. C'est quoi ça? C'est une liste noire? Merde. Oh, c'est pas bon. C'est qui a les yeux rayés, wesh? C'est Jess? Jess, elle a les yeux rayés? Mais elle est pas morte pourtant. Une porte. Ah oui, d'accord, alors attendez. Il y a beaucoup trop de choses. On va checker la porte. Il me faut vraiment tous les totems, les gars. Ah, c'est Jess parce que c'est... j'ai dit que c'était le perso que j'aimais le moins, ok.
Je veux juste... Non, mais je veux pas louper d'indice aussi, les potes. C'est pour ça que je tiens à tout avoir. Quelqu'un ? C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça. Oh non, ça date de l'an dernier. J'ai l'impression que c'est légèrement grand, ça va. C'est une blague débile. Ça fait une drôle d'impression, hein. J'ai jamais vu cette vidéo. Elle a l'air tellement... Tellement quoi ? Tellement heureuse. C'est Anna. Et en vie. Salut Anna. Elle se doute de rien. En plus, elle est mignonne comme tout. La pauvre. Oh putain. Oh. Elle enlève son... J'avais oublié à quel point t'étais impliquée. Oh, horrible. Je m'en veux tellement. T'avais l'air de bien t'amuser. C'est ça le pire, en fait. On lui faisait seulement une blague. C'était censé être drôle. Ouais. Je veux plus jamais revoir cette vidéo. Oh. Wesh. Mike. Ash, on se calme, d'accord ? Stop spoil, Chris ! Les fantômes, puis les vidéos et tous les trucs qui s'envolent partout ! Moi, juste une seconde ! Me calmer, mais tu délires ou quoi ? Tu vois pas que je peux te déplorer ? Mais non, c'est forcément quelqu'un qui veut nous effrayer ! Réfléchis un peu ! Les fantômes mettent pas de caméra, ils ont autre chose à faire ! Alors, qui s'amuse à faire ça ? Franchement, je te le demande ! Je sais pas, peut-être la même personne qui t'a ligoté et qui a tué Josh ! Ouais, ok. La même personne qui peut garder Sam, là, maintenant ! T'as peut-être raison. J'aurais préféré me tromper. Ouais, très sympa ce film. Un peu court. Ok. Bon, là on était passé par là. Et là, il n'y a rien. Putain, un long couloir comme ça pour qu'il n'y ait rien derrière. Dommage. Oh, merde. Regarde, là. Du sang ? Peut-être celui de Sam. Non, je vais essayer d'ouvrir ça. Il y a 8 litres de sang au sol. Ça y est, mais putain, c'est lourd ! Fais gaffe ! Faut que tu passes, Ash ! Je tiens plus ! Chris ! Allez, grouille-toi ! Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas. Ash, t'es sûr ? Je sais pas, mais il faut qu'on aille voir. Non. Moi, je pense que tout le sang vient de là, ok ? Alors, on doit vraiment se manier maintenant. Non. Ok, t'as raison, j'arrive. Non, mais tu vois bien qu'il a été capuché le bordel. Oh, putain ! Ah, j'ai cru que cette chose allait m'écraser. Allez. Ok. Je comprends pas. Quel intérêt de refroidir encore cette pièce ? On se casse ! Ce type est pas tout seul dans sa tête, tu sais, Ash. Ok. J'ai aucun souvenir de ce passage. Bah moi c'est pareil, hein. Je récupère beaucoup de souvenirs là. Ok, beaucoup de cochons. Ok. Peut-être des indices ici ? Oh, Chris ! Oh non ! Oh, et ? Sam ? Sam ! Oh, mais je... Merde ! Je comprends pas.
C'est un mannequin? Oui, ça, j'avais bien vu. Pourquoi c'est les fringues de Sam? Je sais pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un habillerait ce truc comme Sam? Chris, je sais pas et je panique, putain. Et bordel, où est Sam? Tout ça est dingue, complètement dingue. Voilà mon pote, t'es qui toi, petite biatch? Non. C'est pas fini. Papa! C'est pas fini. Oh putain, ma tête! Oh. Oh merde. Ah, ok. Oh, merde. Ok, ok. Donc, c'était. Attends. C'était dans les conseils, hein, le totem. Michael Stotem. Non, c'était lui. Ok. Oh, putain, Ash, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je crois qu'il m'a frappé. Merde, je vais lui défoncer sa putain de gueule. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Non, Chris. C'est le type qui a tué Josh. Oh, merde. Non. Connard de tueur de merde. Regarde, on va crever, Chris. J'ai vraiment pas envie de mourir. Personne ne va crever. J'aurais voulu te le dire. C'est trop injuste. Quoi? Me dire quoi? C'est trop tard, Chris. Arrête ça. À quoi bon? Dis-moi. On a toujours évité le sujet. Et là, je me dis... On a tout gâché. Mais on n'a rien gâché. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque seconde que j'ai passée avec toi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chris? Je regrette. J'aurais dû t'avouer mes sentiments. Oh, non, Chris. Ashley, je te jure, dès qu'on s'en sort. Oh non! Ashley, je vais te tirer dessus, je veux pas que tu meurs! Salut à vous, mes gentils petits cobayes. Oh, j'ai chié. Non. Oh, que si, Ash. C'est maintenant qu'on s'amuse. Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui. Et maintenant, il doit en prendre une autre. Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley. Ou te tuer avec. Celui qui reste, reste en vie. Le choix t'appartient. Ne fais pas l'idiot. Les gars. Oh putain, non! Chris! Chris! Oh non! Chris! Sam! Non, c'est à moi de tirer! Là, il y a juste à attendre en vrai. Chris! Mais d'accord. Non! Mais c'était pour tester, les gars. C'était pour tester. J'avais fait quoi sur YouTube? J'avais attendu? Chris! Chris! Sam! Non! Vous êtes allé trop loin. Ne le voyez-vous pas? Hein? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps? Non? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens? En quoi êtes-vous si différent? Hein? Vous êtes cinglé! Vous êtes un putain de taré! C'est tellement bien fait les fâches chez le psy. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Psychopathe! Espèce de psychopathe! Les amis, on va s'arrêter là en live. On va continuer évidemment sur... on va s'arrêter là sur YouTube, pardon. On va continuer évidemment en live. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Pour tous ceux qui sont sur Twitch. Sinon, à demain pour YouTube. Bye bye.